On m'a mis au défi de faire une recette avec du saumon fumé et des oranges. T'aurais pas une idée par hasard? Bon, on peut peut-être tenter un tartare, ça change, c'est pas compliqué à faire. C'est parti! Ok. Alors pour cette recette, il va nous falloir un quart de filet de saumon fumé qu'on va couper en cubes, deux petits avocats, des oranges, des échalotes, un peu de coriandre, de la sauce soja, de l'huile d'olive et de l'huile de sésame. Allez, c'est parti, on commence par couper tous les ingrédients et là on va commencer par les échalotes. On y va. Et donc maintenant, on passe aux oranges. Ouais, carrément, on va enlever la peau et on va même enlever les membranes, comme ça sera moins amer. Super. Donc là, on enlève bien toute la partie blanche à l'extérieur de l'orange parce que c'est ce qui va apporter toute l'amertume. Et maintenant, du coup, on va enlever quartier par quartier en découpant entre les membranes à l'intérieur. Et le suprême d'orange, c'est ça. Et alors, ces fameux suprêmes, qu'est-ce que tu veux en faire? On va les couper en petits morceaux. Et maintenant, on va presser le jus de la demi-orange. Et on continue avec le saumon, qu'on va couper en petits cubes. Et il ne nous reste plus qu'à découper les avocats, en cubes aussi. Et là, on termine par s'occuper de l'assaisonnement et on va commencer par ciseler la coriandre. Maintenant, on va mélanger tous les ingrédients de la sauce. Tu fais un genre de vinaigrette? C'est de la sauce soja, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive avec un peu de jus d'orange. Et du coup, ça va donner un petit goût un peu asiatique. Et là, la sauce, tu la mélanges? Non, pas forcément. On va mettre tous les ingrédients et on va mélanger d'un seul coup. En tout cas, cette recette, c'était une super idée et les couleurs sont magnifiques. Ouais, puis c'est hyper facile à faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à dresser et on peut manger. Ça y est, c'est terminé. J'espère que ça te plaît. Défi relevé? Avec ça, c'est sûr, je vais faire un carton.